Eh bien le bonjour, c'est Agito Waji pour les intimes de la Dream Channel et bienvenue pour cette nouvelle série qui j'espère va vous faire extrêmement plaisir. Dragon Quest Heroes Rocket Slime, ce jeu m'a été tellement demandé que ce soit par commentaire ou en privé, Discord, communauté, Twitter, etc. Donc il est là, le petit Heroes Rocket Slime, un jeu assez mignonnet et en même temps non, puisque ça va être la guerre, hein. C'est un Heroes et d'ailleurs... Ce jeu-là est sorti au Japon le 1er décembre 2005 et le 19 septembre 2006 en Amérique. Et bien sûr, nous en France, en Europe, vous connaissez la chanson, j'ai rien à rajouter de plus. On l'a pas, on l'a pas comme beaucoup de jeux Dragon Quest. Et ça c'est triste, on espère qu'au fur et à mesure des années, eh bien, on arrivera à évoluer tous ensemble. Eh bien cette communauté Dragon Quest pour que Square Enix nous sorte beaucoup plus de jeux chez nous. Bref, jeu sur Nintendo DS développé par Tozei Software et bien sûr édité par Square Enix. Alors on va passer, la cinématique c'est magnifique. Allez on appuie sur Start et on va débuter l'aventure d'un héros tout à fait hors norme puisque nous allons incarner dans cette série eh bien un petit gluant qui a apparemment pour nom par défaut Rocket. On va le changer, j'espère que ça va passer. Ça peut rentrer pour le Agito Cinematic Universe, la réincarnation en slime. Agislap, et je crois que ça passe pile poil. Hein. Ouais. Donc on est sur le jeu en anglais bien sûr, entre choisir japonais ou anglais, le choix est vite fait. Même si vous connaissez mon niveau, de toute façon je compte sur vous si jamais il y a des soucis. Et j'essaierai de traduire ce qui est possible avec mes compétences. Donc il était une fois un petit royaume appelé Slimelia. Ici, dans le village paisible de Boenburg, vivait un gluant nommé Agislurp. Vous allez voir, c'est vraiment mignonnet, mais pas que. C'est un Heroes, donc on sait qu'il va y avoir de la baston, et d'ailleurs ça parle de combattre. Et grand frère, j'imagine un Big Brother. Allez, dépêche-toi, nous allons aller au palace. Sur la partie jardin. Hé, hey, Agislurp, regarde, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? J'ai trouvé un truc sublime. Jette un coup d'œil. C'est incroyablement magnifique. Ceci est appelé la flûte du guerrier. On a un midi-gluant avec en mode super-héros. Je pense qu'on va bien rigoler. Hein. Alors, apparemment, ça ferait partie peut-être du Royal Wobbliness. Des trésors royaux. Il va remettre ça un peu plus tard. Bon, Agislurp, oui, qu'y a-t-il? Ils sont vraiment funny les personnages, les monstres dans ce jeu. Ouais, on pourrait les clarifier comme de personnages aussi, hein. Ce sont les héros de leur histoire. Nous allons décider que le gagnant avec le jeu de la sweepstakes. Le plus rapide à terminer... Peut-être qu'il faut nettoyer les feuilles. Avec 60 secondes. Je peux le battre, je peux gagner. Avec le logo de Dragon Quest. En un record de 60 secondes. D'accord. Oh, ça devrait le faire. J'imagine. Boing. Boing. Donc, est-ce que ça va permettre de tuer les ennemis plus tard? On verra, hein. Il reste des feuilles. Voilà. 11 secondes 53. Pas mal. C'est propre. Même la musique. Hein. Tout est sympathique. Ok. On disait que c'était un peu long. Bah, le record, il est là. Hein. Ouais. On rentre dans l'histoire. Ce sera une petite série. Des épisodes assez courts. Mais j'espère que vous en serez ravis. Ah, j'aime bien la musique. Donc là, la flûte du guerrier est pour moi maintenant. Ça sonne comme la flûte du guerrier. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'était ton père, Agislurp. Ok, bon, y a une chose, je ne comprends pas tout non plus. What the... Mais...
Aïe 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 aïe. À quoi on ressemble? On ressemble à un vieux ballon. Tout des dingos. Big Daddy. Le grand papa, hein, si on peut traduire bêtement. Ce n'est pas un endroit pour les enfants à y jouer. Je vais me faire punir. Oui. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi étrange comme chauve-souris. Bien pour toi. C'est dommage qu'on ait pas de traduction pareil française sur ce jeu, mais comme on l'a dit, il y a énormément de jeux d'opus secondaires ou même principaux dans Dragon Quest qui nous manquent chez nous. Hein. Je vous laisse le texte comme ça, si vous avez à mieux traduire que moi, ce sera mieux. Mais... Bon, c'est l'univers, je pense qu'on l'a compris maintenant. Je peux me remettre en mal? Alors, ouais, bah on s'en servir maintenant. Oh, qu'est-ce que c'était? On aurait dit un tremblement de terre. Ça sonnait quelque part peut-être dans le village. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui tremble? J'ai un mauvais pressentiment à propos de cela. Allons voir ce qui se passe au village. Tape des jumps. Ouais, allons voir, allons voir. Et moi, si vous pouvez me remettre normal, ce serait bien aussi. Les ornithox. Qui êtes-vous, monstre? Qu'est-ce que vous faites ici? Mythe de plov, youpuds. Ah, ils ont entendu la flûte du gars. Et merde. Wow. Tu ne laisses pas le choix. Je suis ravi de vous voir essayer. T'es le meilleur. Mais oui, t'es le meilleur. Par contre, ils t'ont dénudé. Pas encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Gros engin, hein. Ça représente 3 ST et 60 ST. Je suis le grand héros Oli. Ma sœur. Ah bah maman, je suis effrayé, s'il te plaît, Ashis, faire peine moi. C'est un gluant, boss. N'est-il pas? Ce n'est pas un slime, non. Il n'aurait pas cette tronche là. Heureusement alors. Ça peut être aidé d'être comme ça du coup. Ça va être un verre. Un verre. Donc les ornithox, c'est des méchants. Bon, bien sûr, ils doivent avoir un grand chef. Le village a été attaqué par un mystérieux groupe appelé les Plobs. Ouais, bah j'ai réussi à échapper, mais sauf que ils m'ont pris pour un verre, ils m'ont balancé quoi. Et apparemment, on se retrouve dans la Forwood Forest. À quelques miles de Boinberg.
Ah ils m'ont jeté loin. Eh ben l'ornithox est très fort. Hein. Tout est gluant, tout appétissant. Oh, la flûte du guerrier est sortie de ma bouche. Mais elle est maintenant cassée. Je ne peux plus l'utiliser comme cela. Il faut que je trouve une solution. Ça, c'est la map. Ah, quelque chose à l'intérieur? Enfin, à l'extérieur du coup. Tu veux que je t'aide, hein, j'imagine. C'est moi, Swotsy. Est-ce que tu peux me laisser sortir de cette boîte? Ouais, t'inquiète. On a appris. Boing, boing. Ça, tu te sens mieux? Maintenant, on se dépêche de retourner au village. Qu'est-ce qui s'est passé avec ses ailes? Oui, bah, on va t'aider, t'inquiète pas. Je vais te protéger. Let me into the air with an elastoblast. Boink! Voilà! Donc là, tu veux que je te jette de l'autre côté en volant. Oui, tu peux me jeter par ici. Pas de soucis, j'ai compris. Là, je peux lancer comme ça, je le récupère sur moi. Si je fais ça, ça l'envoie. Non, c'est juste, voilà, je le jette comme ceci. Ok. Hop. Joli, joli. Je suppose que je suis chanceux. Bah, on va te laisser y aller tout seul parce que nous, on peut pas y aller apparemment. On va faire le chemin de l'autre côté. Voilà, exactement. Donc voilà, on a une mini-map. 17 slimes to go. Il y a des gluants à récupérer. Donc zoomer, dézoomer. Là, on voit qu'on a quelque chose que je pourrais peut-être faire plus tard. Si je saute. Non, il saute tout seul là. Hein. Que je sois un élément de décor. Ou pas de décor d'ailleurs. Vous venez juste de recevoir une lettre de Swotsy. Appuie sur Star. Et il y a le bouton. Alors, retour to the game, scroll map, zoom. Nous on veut ça, les lettres. Bah il est où? J'ai aucune lettre. Item monster, donc on peut avoir des objets. Ici on peut voir tous les monstres. Ah, il me dit d'aller voir mes lettres, mais j'ai aucune lettre. Hurry up and save someone. Dépêche-toi et sauve quelqu'un. Alors, on va essayer. On va tout faire pour. Oh, galère. On arrive, on arrive. Il va y avoir aussi des gluants dedans. C'est dommage parce que il y a pas mal de bulles de texte. De choses qui sont racontées. Mais il faut tout comprendre. Oh, 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 oh. S'ils se défoncent entre eux, écoute, on va les laisser faire. Allez, vite, ils se cassent. Attends ma boss. Wow. Heureusement elle a laissé tomber un coffre. Touk. Tout ça aussi je peux rien faire à l'intérieur. Je peux les péter et récupérer du pognon. Wow. En effet on a des gold. Et toi, sors d'ici. Oh. Parfait. Stony. Et il y a un truc qui a apparu justement. Faut qu'on aille dessus. Donc lui, le nom français c'est Slurpierre.
Ouais, ça je ne peux pas pour le moment. Mais il y a des choses à voir hein, plus tard. Peut-être qu'il va nous falloir des pouvoirs, certains pouvoirs. Ah, je suis obligé à chaque fois de faire ça au début. Après, je peux le balancer. Et non, il ne va pas remonter sur moi, c'est juste quand il est en l'air. Comme ça. Je lance. Si je m'approche suffisamment vite, il remonte sur moi. Merci! On se retrouve au village. Ah! Nouvelle lettre. Touk. Ah bah voilà, ça apparaît. Qui me parle. Et j'ai récupéré... C'est quoi, c'est une pomme? Du pick-up pomme-pomme. Ça ressemble soit à une baie, soit à une pomme. Il est bien de retour au village, c'est parfait. Et je récupère encore un objet. Il doit être du soin, quelque chose de ce genre. Item. C'est ça. Ah, ça met des dégâts. Damage. Ou ça me soigne d'un dégât. Ah, on a encore un coffre là-haut. Ouais, c'est vu. C'est tout vu. Je suis effrayé. Quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Translimonian. T'inquiète pas, déjà je prends ça. Attends, je suis obligé à chaque fois de... Boing. Ouais, en effet. C'est particulier pour le gameplay. Ah, donc ouais, c'est bien un truc qui fait des dégâts. Je l'ai un objet pour moi. Et après, bah, je le lance, j'imagine. Comme ceci, ça fait des dégâts. Hop. Du pognon, des gold. Je peux même prendre le coffre. Ok. Viens par là, toi. Peut-être ça. Moi, je peux grimper. Saute. Ouais. Un coffre. On pourra acheter des équipements, des choses de ce genre avec. Je suis pas allé dans l'eau. Oui, mais ça a pas l'air d'être profond. Ah, les revoilà. T'es trop lent. Ouais. Ces petits gluants sont vachement lourds. On peut emporter ça. D'un coup, il y arrive. Hein. Oh non. Il a bloqué le chemin, je pourrais pas y passer. Alors, qu'en soit, on est un gluant, donc on pourrait y aller. Bon, j'attends sur la plateforme. Alors, ça nous mène. Ah, c'est un peu trop tôt pour retourner. Je ne peux pas. On voit aussi que j'ai 4 cœurs. 4 cœurs bleus, juste en bas à gauche. Et encore un coffre. Oh! Ça ressemblait à une feuille. Toc! Et sort d'ici! Bless you, y a pas de souci. À tes souhaits. La bande on a terminé. Collecte autant que t'en peux. Tu peux continuer ton aventure toute la nuit. Mais si un plop te bat, jour ou nuit, tu perdras la moitié de ton pognon, bien sûr. On est dans une Dragon Quest. Et on a trouvé 3 gluants. On est bien. Dans la Forwood Forest. Item collecté. Un seul. Monster collected. 0. Ah, j'ai mis un coffre sur le truc. J'imagine que c'est ça.
C'est-à-dire que tous les coffres, tous les objets que je récupère, il faut que je les mette sur les plateformes. Ok. Ça a peut-être été dit, mais au moins j'ai compris pas moi-même. Ah, et on se retrouve après un bon dodo. Ouais, voilà, donc il fallait 3 slimes. D'accord. J'ai compris. Il y en a, il m'en faut 60 hein, au total. C'est ça. Comme ils sont 3, ils peuvent le faire. Et donc j'ai accès à l'église. Il y a l'église. Il faudra sauvegarder. Ok. Eh ben, quel beau début d'aventure. Le temps qu'on s'approprie le gameplay, qu'on découvre un petit peu l'univers. On n'a pas encore tout vu, hein. Il va se passer des choses. Plus tard, et en plus j'imagine qu'on va débloquer pas mal de nouveaux talents ou d'objets, équipements. Et bonjour, Eren. Ouais, donc il faudra de l'aide pour débloquer la suite. Il y en avait 100. Si on arrive à sauver tout le monde, ce serait pas mal. Le mieux serait de faire tout le monde en vrai. Je vais prier pour toi. Ouais. Je vais pas te confesser pour enregistrer ta partie. Il m'en faudra 20, ici 10. Donc une graine assez particulière. Mais nous, pour ce premier épisode, on va s'arrêter ici. C'est vraiment mignonné. Hein. Boing. Est-ce qu'on peut jouer? On peut pas. Ouais. Hop. Allez, B. C'est bon de te revoir au village. On va s'en regarder. Et on s'arrête pour ce premier épisode. Et j'espère qu'il vous aura bien plu. Même si, voilà, avec... oui, je continue mon aventure, j'ai pas sauvegardé. On prend les boutons. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de textes, donc beaucoup d'anglais, là, pour traduire, je galère. Hein. Ouais. Donc c'est tout bon. En tout cas, n'hésitez pas à me donner eh bien vos retours, vos commentaires, c'est extrêmement important. Puis laissez aussi un pouce bleu. Partagez la série à vos amis, à la famille, qu'on puisse agrandir cette famille de Dragon Questienne et qu'un jour qu'on puisse voir aussi tous ces opus secondaires chez nous en France, en Europe du moins, ce serait génial. Des bisous Christophe Carr, c'était Agito et à la prochaine pour Dragon Quest Heroes Rocket Slide.